Putain, la soirée d'hier, frérot, le nombre de bombes c'était en périmètre, frérot. Hein? Ah ouais, frérot, la petite brune, tu l'as pas vue. Mais ouais, j'étais un charreau, toi. Non. Mec, cette maison, à chaque fois, le portail, il est ouvert. Je comprends. Ah, attends, t'es mal, là, frérot. Ah, mais non ! Où est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est pas ouais, c'est quoi, ça ? Putain, j'ai toujours su que c'était un cinglé, frérot. On vient, on y va discrètement. Vas-y, viens, on y va, viens, on y va. Discret. Où est-ce le terrain de tennis, gros ? T'es con ou quoi, ta gueule ? T'es con ou quoi ? C'est quoi que tu comprends pas dans discret ? On y va ? Ouais. T'es prêt ? Ouais. On va y aller, frérot. Allô, tu m'entends ? Je vais te frapper. Ça va, gros ? Ouais, ça va, ça va. Les gars, j'espère que vous êtes prêts. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Hello Neighbor dans la vraie vie. Si vous connaissez pas le jeu, le concept est très simple. On est chez notre voisin, un petit peu chelou. Ça va, gros ? Le but est très simple, faut découvrir le mystère de la maison. Ça veut dire que dans la maison, on sait que notre voisin il fait des trucs bizarres et on doit accéder à sa cave en trouvant une clé. On sait pas trop comment, les gars, on connaît rien à la maison et faut pas qu'on se fasse choper. On est deux, donc on a la chance d'avoir un peu une vie supplémentaire. Il n'en restera qu'un. Non. Ok. On a perdu le 48 heures dans le bunker, celui-là faut le gagner. Ok, ça marche. T'es prêt ? Aussi, j'ai raté le chat. J'ai pas précisé, les gars. Mettez un pouce bleu! Merde, il va nous entendre là. Bon, il a de la chance, ça a pas encore vraiment commencé. Abonnez-vous! Et les gars, j'ai pas précisé, mais avec Inox, on sera en connexion. Ça veut dire qu'on va pouvoir se séparer dans la maison et continuer à se parler pour se donner des infos ouais. Si jamais il y a des énigmes ou quoi à résoudre. Et les gars, aussi pour le voisin, on lui a mis un handicap. C'est-à-dire qu'on lui a mis des lunettes qui fait qu'il voit pas très bien. Il est presbyte. Voilà. Le voisin est presbyte, c'est-à-dire qu'il voit pas bien. Dis-le pas trop fort, frérot, parce que tu vas l'énerver. Mais il est presbyte. Je sais même pas. Ou ouais, il est presbyte. Ouais. Comme on réadapte un jeu dans la vraie vie, les gars, on a fait exprès qu'il voit pas très bien de manière à ce que ce soit pas trop compliqué pour nous de se cacher parce que sinon il nous trouve en deux secondes dans sa maison. Et je crois que c'est tout est clair, gros. Ouais. Bah donc t'es prêt ou pas ? Bah pour lui, non, parce qu'il est presbyte. T'es prêt ? Ouais. Non, mais viens, enfin, en vrai. Ok, vas-y, vas-y, check. T'es prêt ? Je crois que le voisin est un peu excité. C'est parti. Fuck ! Fuck le voisin ! Le jeu a commencé. Okay, vas-y, tu me suis. On regarde. Doit rentrer. En fait, attends. Faut y aller discret, regarde. Comment ça, faut y aller discret ? Suis-moi. Mais frérot, il se doute qu'on va rentrer par la porte d'entrée. Il se doute pas justement qu'on va rentrer. C'est tellement improbable. Doit... stratégiquement, Inox, faut qu'on soit tout le temps séparés. Parce que s'il nous chope tous les deux, on a perdu. Ok, alors j'ouvre et je ferme direct. Moi, je me barre, je pars plus loin. De toute façon, on est en communication, Inox. J'ai perdu, là. Ah, pensais que je m'en servir tout à l'heure. Oh merde, ça marche. Wesh, pourquoi tu sonnes ? Qu'est-ce que c'est ? Putain de merde. Mais Inox, tu fous quoi ? Je l'ai vu. Tu l'as vu ? Quand j'ouvre la porte, il y a une sonnette. Mais putain ! Et là, il vient de fermer la porte. Regarde, okay. On peut passer par là. Mais regarde ce qu'on va faire. Tu vas refaire diversion. Donc, retourne à la porte d'entrée. Vas-y. Et tu te barres au courant. Et moi, je rentre par là, d'accord ? Vas-y. Inox, bonne chance, frérot. Te fais pas choper. Vas-y. Inox, moi, par contre. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il crie sur qui ? Je suis caché. Porte. Merde. Frérot, ça va être tellement dur. Rentre par le jardin. Je peux pas, c'est bloqué. Il a la porte d'entrée. Je suis dans sa chambre. Mais qu'est-ce que tu fous dans sa chambre ? Il y a une tétine. Mec, ça fait tellement flipper sa grand-mère. Ok, y'a quoi dans cette salle ? Y'a un casque de vélo. Inox, j'ai besoin de toi, gros, je suis bloqué dehors. Faut que je te fasse rentrer. Ok, je vais te faire monter là-haut, ok ? Je vais me cacher, moi. Oh ! Presse vite ! C'est bon, rentre, tu vas pouvoir rentrer. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui est là ? Qui est-ce qui est chez moi, là ? Pas là ! Oh, j'ai eu trop chaud, il est passé juste devant. Rentre, va en bas. Oh, tu m'entends ? C'est bon, je suis dans le salon. Oui. Mais mec, y'a des objets partout. Mais il faut trouver ce qu'il faut faire. Oh putain. Il descend. Il descend. Reprends ça. Sale merde. Gros, je suis sorti. Putain. Mais attends, par contre, j'ai trouvé un autre endroit où on peut rentrer. Tu sais où il est ou pas ? Ouais, là, il est en bas. Moi, je suis en haut. Ah, j'ai fatigué, moi. J'allais faire un petit somme parce que là... L'impression de t'entendre des bruits. Vas-y, Michel, rentre en bas. Ok, je
je suis en bas. Ok, cherche ce qu'il faut faire. Vas-y. Micro, en bas, il n'y a aucune cache. Pourquoi il a que des trucs de plage chez lui, gros? Tu sais pas où il est? Il est en haut. Il y a une trousse. Il y a que dalle, frère. Elle est où la porte de la cave? Ah, je crois que je suis devant. Je suis devant la porte de la cave. Il y a écrit quoi? Il y a écrit cave, mais je peux rien faire. Et il y a un cadenas? Non, il y a une clé, mais je peux pas l'ouvrir. Il faut une clé, Inox. Je vais essayer de descendre comme il est là-haut, là. C'est sûr, il doit y avoir un truc dans une poche. C'est quoi, Edo? J'ai des clés. J'ai trouvé des clés. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, Inox? Y'a quelqu'un? Il arrive. Oh! Et pourquoi il gueule comme ça, lui? Il est en haut, il est encore en haut. Il est encore en haut? Ouais. Frère, j'ai des clés, mais je te jure, je sais pas à quoi ça sert. Oh, il y a des lunettes. Attends, fais voir à quel point il est presbyte. Oh, waouh! Quoi, c'est que je peux pas sortir? Mais je suis bloqué. Eh, hey, mais tu sais que c'est un vrai presbyte, là. Comment ça, t'es bloqué? Je suis bloqué dans une pièce. Moi, j'ai des clés, mais je vois pas à quoi elles servent. Vas-y, je vais tenter un truc, ok? Eh, hey, si t'as besoin d'aide pour faire diversion, tu me préviens. Attends. Putain, ça marche pas. Putain, attends, il est devant moi. Gros, j'ai des clés, je sais pas à quoi elles servent, ça me rend fou. Y a un truc d'écrit en bas. Je suis dans l'escalier. Gluina, 1m62, 56 kilos. Wesh, attends, mais c'est Glock. Tête de ma mère, c'est Glock. 1m62, 56 kilos, 16 ans. Comment ça, 16 ans? Ça se trouve, c'est trouver le gamin qu'il y a dans le sous-sol. Frère, t'es maillé à du scotch. Ça sert à quoi? C'est sûr, il a enfermé quelqu'un. Y'a quelqu'un? Inox, je pense que s'il reste en haut, c'est pas pour rien. Gros, j'ai deux clés. Et je pense qu'il y en a une qui doit ouvrir une porte qui est en haut. Parce qu'en bas, j'ai testé toutes les portes. Attends, regarde. C'est chelou, le téléphone. Ne surtout pas laisser brancher quand je dors. Oh, il y a des capotes. Oui, il y a des capotes. Utilisées. Ah ouais, alors là, c'est encore plus glauque. Oh non, ça me dégoûte. Oh non, Inox. Ne surtout pas laisser brancher quand je dors. Ah, mais il dort là. C'est pas branché, il rappe sur moi. Non. Il est entre. Ok, c'est bon. Non, c'est débranché. Attends, mais il y a un téléphone. Ouais. Oh, il y a un marque-page. Pourquoi t'as une tutute? Je sais pas. Il y a un truc. Il y a ça. Il y avait ça, cette page. Le marque-page, il est pas là pour rien. Enfant. Mais qu'est-ce qu'il fout sur un marque-page enfant? C'est un pointeur, frérot. Je vais en haut, gros. Moi, j'ai une clé. Je veux trouver à quoi elle sert la clé. Mich! Je suis dans la merde. Il s'est réveillé, je crois. Si tu ne fais pas descendre, il va me choper. Je suis dans son dressing. Hey, Inox, on va faire un truc. J'ai des clés. J'enquête en haut, d'accord? Toi, joue avec lui en bas. Putain, je l'entends. Oh! T'es un malade. Oh! Mais t'es un malade. Vas-y, à toi de jouer. À toi de jouer. Petit, petit cachou. Je suis caché dans l'armoire. Il est dans le salon avec moi, là. Il y a un portefeuille. C'est quoi, ça? Festival ciné de riz, 10 euros, Païla. Et c'est un bouffeur de Païla, frérot. Petit fouineur. Vous aurez un moment! J'ai chopé une clé dans son portefeuille. Il est à côté de moi, il est à côté de moi. T'es un monstre, gros. Crois pas taper dedans, dans mon armoire. Il remonte. J'essaie de bouger. Il est pas en haut. T'as besoin d'encore du temps ou pas? Non, franchement, ça va. Il fouille les placards là. Cherche. Hey, dans la salle de bain, j'ai l'impression qu'il y a rien. Tu veux que je fasse du bruit? Oui. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Petit! Fais le descendre. Faut trouver quoi en bas, nous? Fais le descendre, il va me choper. Ah! Vous m'avez fatigué avec tout ça! Je vais dormir un coup, moi. La putain de ta mère, puis je vais descendre. Mich, il va dormir quoi? Où? Mais je suis bloqué, je suis dans sa salle. Où il va dormir? Je suis dans sa salle de bain. Pour femme de ménage, clé dans un pot, retrouver la bonne. Double de la cave. J'ai trouvé un truc de fou. T'as les doubles des clés de la cave? Faut trouver un portefeuille, Mich. Je l'ai! J'ai une clé dans le portefeuille. Michou, écoute-moi. La clé du portefeuille, c'est le double de la cave. Arrête de mentir. Je te jure, je vais la tirer, tu vas essayer d'ouvrir la cave, ok? Oh! Ouh, le voisin! Le voisin! Viens là, toi! Viens là! Viens là,
je vais t'attraper, moi. Viens là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Il est où? Il est où? Il est en bas. Qu'est-ce qu'elle faisait, mais combien est-ce qu'elle fait? J'arrive pas à me souvenir, j'en ai marre de cette foutue. Tapis-toi, j'ai flippé, Inox. Descends, descends. Inox, je suis trop con, je suis trop con. Michou, t'es où? Je suis dehors. Mais pourquoi t'es dehors? Parce que j'ai flippé. Mais gros, faut que t'ailles à la cave. La clé que j'ai, je te jure qu'elle ouvre la cave. Ok, parfait, faut aller à la cave alors. Il est dans le salon là? Ouais, il est dans le salon là. Je crois qu'il est en train de monter. Ah non, il monte. Vas-y, viens vite, viens vite, viens vite. Allez. C'est encore ça, mais ça va jamais finir cette journée! Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas fini, c'est pas fini! Ok, il reste des trucs à faire. Combinaison secrète, le poids de mes chaussures dans l'entrée. Quoi? Multiplié par le nombre de brosses à dents que j'ai dans ma salle de bain. Oh putain de. Mais je croyais qu'on avait gagné! Oh non! Moi dans ma tête, fallait descendre dans la cave et on avait gagné! Combinaison secrète, le poids de mes chaussures dans l'entrée. T'as une balance? Il y a une balance dans la salle de bain. Le nombre de brosses à dents que j'ai dans ma salle de bain, le nombre de lignes pontillées de mon pull. C'est impossible. J'ai une idée. Il y a un code. Et comment tu rentres? Inox, 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 je vais l'attirer dehors. Il va me poursuivre tout autour de la maison. Ok. J'essaye de compter son nombre de points. Cours. Et c'est ultra kamikaze. S'il me nique, je sais pas si ça, ça se trouve, ça ouvre la prison. Oui, peut-être. Faut les mettre à un endroit. Parce que si je te les donne, mets-les dans le tracteur. Ok. Si jamais un de nous deux se fait choper dans la prison, je crois que ça, c'est les clés de la prison. Pour l'instant, on est bien. Je le fais courir autour de moi dehors. Des chaussures. Et toi, dans la salle de bain, tu cherches les brosses à dents. Et je passe des chaussures. Ces chaussures, tu les mets sur la balance. Ok. T'es prêt? Go. Oh putain! Le voisin! Qu'est-ce que c'est? Oh. Eh oh! T'as peur de moi? Oh oh! Attends, mais les bigles? Oh oh! Je suis dans ton jardin! Inox, y'a un problème. Mais ta voix! Oh! Inox, il monte, il monte, il monte! Oh putain! Viens là, toi. J'ai pas peur de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Merci, 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 merci. Eh gros, par contre, j'ai un problème. Il y a pas de pointe sur son pull. Comment ça, il y a pas de pointe? Il a un pull à carreaux. C'est pas des points, c'est des lignes. Mais bête ou quoi, je suis là, frérot. Attends, mais il est sous. Viens là, toi. 8, 9. Oh, je te parle. 4, 10, 11, 12. Il y a 12 brosses à dents. Michou, le problème, c'est qu'il avait plusieurs paires de chaussures. Attends, mais t'as pris les chaussures qui étaient à l'accueil? J'ai pris celles qui étaient à l'entrée sous le porte-manteau. Bah oui, bah c'est celle-là qu'il faut. Mais il y en a deux. 70.3. Donc 69.2, 70.3, ça fait combien? Ça fait 0,9. Non, ça fait 1,11 kg. Et celle-là, attends, 6 plus 4. Ah, elles font 2 kilos. Je vais les laisser en haut, je te laisse gérer. Moi, j'ai le nombre de brosses à dents. Ok. Vas-y, quand tu descends, tu fais un max de bruit et moi je monte. Ok, et tu sais où il est? Frérot, il est trop lent, il est trop nul, c'est un bot. Mais il est où? Il est où? C'est un bot, il est dans le salon, tu me dis quand tu descends. Faut trouver un bug quelque part. Ok, et là? Gros, ces chaussures, elles font 600 grammes. Léo, il est chaud. Tu sais pas où il est, frérot? Ah, la prochaine fois, faut que j'arrive à peser leurs cheveux. C'est sur son pull, il est là. Y a pas un pull dans son dressing. Allô, Mich? Mich? Allô? Eh gros, je suis dans une pièce secrète, la tête de Wami. Elle pèse combien, les chaussures? Les chaussures, elles pèsent 600 grammes. Les deux ou une? 600 grammes les deux. Essaye de compter le nombre de points sur son pull, mais ça me paraît bizarre. Je sais pas ce qu'il fait, gros. Il y a pas de pull dans son dressing. Soudain, ah! Qu'est-ce que c'est? Il est où? Faut pas que je perde cette balance. Faut que je la mette en évidence juste là. Ah.
très important, la balance. Celle-ci pour les petits éléments et la grande dans la salle de bain pour les gros éléments. Descends en bas, je suis dans un... Ouais. Descends en bas. Dis-moi, c'est quoi qu'il faut regarder? Porte ouverte! Reste en bas, j'arrive à te rejoindre. La trappe est ouverte! Il arrive! Viens là! Viens là! Il arrive! Cache-toi! Cache-toi! Ah! Allez, viens là! Allez, monte. Dépêche-toi! C'est toi depuis tout à l'heure là qui traîne chez moi! Je vais t'apprendre, toi, à rentrer par effraction chez les gens là, comme ça, et bousiller dans leur vie! Je vais prendre les clés. T'as pas fait exprès, comment ça, parle mieux! Mais toi, quoi, t'as rien fait? Viens chez moi, on va bien s'amuser, toi et moi. Tu vas être ici en pension complète. Allez, tiens, vas-y. Une bonne pension complète. C'est bon, tu m'as enfermé, tu veux quoi? J'ai trop le seum, l'armoire, elle voulait pas s'ouvrir. Il y avait une clé qui fermait l'armoire, j'ai pas réussi à l'ouvrir, j'ai trop la haine. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Il m'a mis un coup dans la tête. Gros, y'a plus de toi, s'il te plaît. Te fais pas choper. Il m'a mis un coup dans la tête, sa mère, j'ai trop mal. Sa mère, quel enculé, je me suis fait choper comme une... Je le baise. Ouais, t'as pris la clé. Croy, j'étais dans un carton, il m'a tapé. Faut que je fasse vite. C'est pas la bonne, Sophie? Si, c'est celle qui l'a mis sur non, la table. Non, c'est pas la bonne. C'est celle-là, celle qui l'a mis sur la table. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Si, je l'ai vu faire devant moi. Ça roule pas. C'est bon. Ah si, c'est bon. C'est bon. Hé, je prends ça. Putain, tu m'as sauvé la vie. Tu sais que j'ai cru qu'on allait perdre. Gros, j'ai mon gros comme ça. Il arrive, je te défonce. Je mets ça dans la tête, c'est fini pour lui. Mais il t'attrape par le callback, t'es foutu, frérot. Je fais ça. Oh. Attends, fais voir. Oh. Wesh. Aïe. Attends. On descend. On a tout. On a tout. Le poids de mes chaussures dans l'entrée, c'est 600 grammes, multiplié par le nombre de brosses à dents. 12, ça fait 600 fois 12. 1200. 12 fois 6. Fois 12, ça fait, ça fait 36. Non, 6 fois 12, ça fait combien? Ça fait 72. 72, tu rajoutes 2 0, ça fait 7200. 7200. Pourquoi 7200, attends. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il ouvre la porte. Il est là. Ça finit jamais, ce truc, ça m'énerve. Putain, ça a mis, frère. C'était chaud, putain. Ça va, Inox? On s'est gouré, wesh. Quoi? Comment ça, on s'est gouré? C'est pas possible de faire 7200 divisé par 6. 72 divisé par 6, ça fait combien? Ça marche pas, c'est pas rond, on s'est gouré. Merde. Mais gros, je t'ai dit, ton fil de merde, il l'a attiré dans la cave. Inox! Ouais, il est où, là? Je sais pas où il est. Là, il va se douter qu'on est dans la cave, maintenant. Je pense qu'il y a 12 brosses à dents. Je pense que c'est le poids des chaussures. Je vais raconter. Je recompte ces brosses à dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. La vie de Wamina, 12 brosses à dents. Le poids de ses chaussures, c'est 600 grammes. Tu veux que je réessaye? 7200 divisé par 6, ça fait 1200. Attends, mais j'avoue, on est con. Ok, vas-y, attends, j'essaie d'ouvrir. Mais frère, on est trop nuls en maths. Bouge pas. Non, ça marche pas. La tête de Wamina, 12 brosses à dents, il n'en a pas plus. Essaye, divisé par 5. Divisé par 5? 6.
6000 divisé par 5, ça fait combien? 6000 divisé par 5? Ça marche pas, si. Je crois qu'il va dormir. Mmh. Gros, il y a un problème. Dans tous les cas, il y a 12 brosses à dents. 7200 divisé par 6. Ça fait 1200. 7200 divisé par 4. Ça fait 3000. Non, 7200 divisé par 4. Putain, sale chien. Sale bâtard, tu m'as fait trop peur. Mais frérot, on a mal compté, gros. Il a 6 lignes sur son pull. Bah, c'est ce que je disais. Il dormait devant moi, j'ai compté, il a 6 lignes. Derrière lui, il en a combien? Derrière lui, il y a rien. Ok, bah alors, du coup. Eh, viens, on prépare des cachettes. Tu me dis que ça fait 600. Attends, mais on est nul en maths ou quoi? Putain, ça marche pas, sa grand-mère. Dans tous les cas, ils n'ont pas réussi à ouvrir le cadenas. Ils sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas la bonne balance, hein. Faut réfléchir un peu, faut réfléchir. Oh. Il nous a dit la solution. Oh, il est trop cool. Elle est dans la cuisine quand j'étais dans le frigo, il pesait sur une balance. Putain, je la remets. Mais comment on remonte là-haut, là? Ça va être un zgar. Hein. Faut qu'il y en ait un ou deux qui fasse diversion. En plus, faut chercher les chaussures, elles sont dans sa chambre. Mais le fil, c'est de la merde. Mais si, c'est trop bien, parce que je sais quand il est à la porte. Quand le fil, il se tend, ça veut dire qu'il est là. Tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai cramé, parce que le fil, il s'est tendu. Ok, mais de toute façon, faut qu'on monte. Moi, je vais peser, je te dis au téléphone, je serai dans la cuisine, je te dis direct le nombre. Ah ouais, t'as raison. Et là, dès qu'il vient, ça va se tendre. Ok, mais va peser. Les chaussures, elles sont dans la chambre, dans la salle de bain. Les gars, on a envoyé Inox en mission. Putain, trop bien, il y a une sucette géante. Mais c'est une dinguerie la cave. Je veux des caves comme ça tous les jours. Ok, attire-le en bas. Non. Mais fais-moi confiance, attire-le dans la cave et dès qu'il remonte, tu me dis. Fais-moi confiance. T'as la balance? Michou! Oh, c'est baisé! Mais t'as fait comment? Gros, j'ai fait une mec, de fou. Le bruit que t'as fait en haut, tu m'as sauvé la vie. Ouais, ok, y'a pas qu'à poser maintenant. Tu penses que c'est cette. Ah ouais, mais c'est sûr, c'était ça, frère, on est trop bêtes. Ok, une chaussure. C'est trop dur. C'est quoi ce bordel de 288 je crois. Et là, si je rajoute 100. 1052 et 5760. Plus 100, ça fait 1800. 5760. 1826, ça fait. Frérot, 6812 divisé par 6. C'est faisable. Ça fait 1000. C'est impossible que ça soit aussi précis. Ça fait des virgules. Mais gros, mais n'importe quoi. Ma tête, c'est pas une calculette. Y a pas une calculette dans cette baraque. Mais j'avoue, pourquoi on n'a pas de calculette, frère? J'en pose une. Je pose mais non, une. Voilà, 288, une. Donc fois 2, 576. Oui, bah alors dans ce cas, je mets celle-là. Elle fait pas 288. Elle fait 285. Pourquoi ses chaussures sont inégales aussi à lui? On s'est peut-être trompé de chaussures. Et les bottes, ça fait combien? Ça fait 600. Enfin, ça fait 573. Mais c'est pas possible. C'est bon, c'est pas ça, gros. Oh, le trou du cul. J'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un ici, là. Mich, on s'est trompé de chaussures. La vidéo, il faut qu'on trouve une calculatrice. Qu'est-ce qu'il y a? Et la vie de ma mère, on est nul. Quoi? T'as un mytho. Il y avait une calculatrice sur le canal. T'as un mytho. Mec, j'en peux plus. Je pense pas qu'on se trompe. Putain, sur les rayures. Gros.
Et c'est un bon, hein. Faut aller le remercier. Les rayures, je pense pas qu'on se trompe. Je vais tester mon 6812 divisé par 6. T'as raison, il y a des virgules. Bah oui, quand même, j'ai fait bac S. Fait 1800. Le poids des deux chaussures, on a dit. 1800. Non, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Je suis sûr que c'est 1800. Mais tu veux faire 1800 au pif, toi? Ben non. Le poids des deux chaussures, c'est 573. 573. Arrondi à 600, ça marche pas. Il y a un 3. 6876 divisé par 6. 1146. Ça va pas marcher. Ça marchera pas. 1146. Ça marchera pas. Putain, ça marche pas. 573 fois 12 brosses à dents. Mais 6876. Tu penses que c'est ces chaussures-là? Mais gros, je vois pas pourquoi il y aurait les bottes, sinon ce serait écrit les bottes, là. C'est ces chaussures. Je sais pas, moi, je divisé pense. Par 6, 1146. 1100... Fido, pour moi, c'est 1800. Pas ça. C'est pas... c'est pas 1800. 1146. C'est pas ça. Baisse, tire ça vers le bas. Oh, le ton, mais oh. Les gars, je suis avec un bouffon. Depuis tout à l'heure, il appuyait sur le truc. Oh, mais les gars, mais c'est trop, frère. Depuis tout à l'heure, il appuyait alors fallait baisser. Attends, il va arriver, on crie depuis tout à l'heure. Ouvre. Si on a gagné, je me suce. Bye bye. Ta gueule. Bye. C'est pas fini. Oh merde. Qu'est-ce que c'est? Oh merde. Ça merde, c'est pas fini. Il est mort. Oh. Non, il n'ose. Il avait les clés sur lui, il aurait dû me les donner avant de mourir. Où y'a tes clés? Quoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai des gants? Inox! Hello!